Hello tout le monde, c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Siberia 3. Je vais continuer le jeu en live parce que je trouve que le jeu s'y prête assez aisément à faire des lives dessus et au moins si je suis bloquée, je peux avoir l'aide de mon assistance, voilà, entre autres. Donc voilà, voilà. Donc on va se retrouver dans quelques instants quand j'aurai lancé le live. A tout de suite. Hello, hello pour tous ceux qui sont là. Alors, je suis en train de regarder... Bon, là, j'ai une pub de 25 secondes sur des ordinateurs HP. Ok, merci beaucoup. Donc, pour préciser vite fait, en fait, finalement, j'ai pas... poursuivi l'aventure hors live, on va dire ça comme ça. Je vais juste vérifier si au niveau... Ouais, ok, on est bon. Donc voilà, j'ai pas fait ça hors live en soi. Hein. J'ai même pas touché au jeu, j'ai même pas eu le temps d'ailleurs. Donc on va faire continuer, on va se retrouver tout de suite après... Oui, on avait alimenté le bateau en charbon. On avait préparé le bateau en soi. On avait aussi rempli la citerne d'eau potable, si je me souviens bien. Et voilà, en somme. Ensuite, on était parti aller voir le maire pour avoir l'autorisation de sortir du fameux port où on se trouve. Le souci, c'est que le port est fermé. Voilà. Donc, on est toujours un petit peu bloqué, en somme. Mais je crois... Alors, c'est très énervant. Hein. Quand on joue pas un jeu, tout de suite après, c'est vrai que là, j'ai un peu de mal à me remettre en tête. Alors, je me souviens avoir vu une cabane, en fait, au niveau du port. Est-ce qu'il m'a donné une clé, je crois, je présume. Donc, on va voir ça. Okay. Ok, ça a l'air de se passer correctement à peu près. Ok, je peux pas aller dans la mairie en soi. Donc non, à mon avis, on a fait l'ensemble des choses avec le maire. Ouais, bah, je vais juste regarder dans mon inventaire. Je pense qu'il m'a filé une clé, hein. Non? Ah non? Notice du mainteneur. Non, il m'a pas filé de clé. Bon, on va voir. On va se diriger vers le port. Je suis en train de réfléchir. Oh, j'ai aucun souvenir, c'est très chiant. Je crois qu'on devait, faire en sorte que le port soit ouvert. Hein. Ce qui semblerait logique en soi. Est-ce qu'il y a un moyen de passer par là, là ? Non. Vous savez quoi ? On va faire le tour, on va pas s'emmerder. C'est pas bien loin de toute manière. Je crois. Hop, non, trop tôt. Ah, c'est bon. Ouais, de toute manière, je vois pas. Hein. Je vois pas quoi faire, donc on va faire ça. J'ai du mal à me repérer dans l'espace, là, d'un coup. Je me suis dit où je suis. Ouais, bah si, on va faire ça, hein. Parce que de toute manière, on en a fini avec le cargo, on l'a bien préparé. On a fait décuiter son commandant. Il n'y a plus qu'à.
Ouais. Ouf. Vivement une mise à jour, franchement. Très franchement. On dirait Zelda à sa sortie en fait, enfin en pire même. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aime bien le jeu quand même. Pour l'instant, en fait, mis à part les problèmes techniques, en soi, le jeu est assez sympa à faire. C'est pas assez loufoque au niveau des solutions, des énigmes. Mais c'est plutôt logique. Ah, mais ça va être fermé, quoi. Bah ouais. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? J'aurais dû regarder ma vidéo en plus avant de lancer ce machin. Histoire du rouage. Attendez, je vais juste regarder un instant. Je dois avoir les fichiers de sauvegarde. C'était le 9. Oui, bah cool, c'est bien. Juste pour voir le dernier dialogue qu'il y a pu avoir. Parce que je vais pas traîner pendant 3 quarts d'heure dans le village. Pardon. Alors, ça c'était. Ça, je vais récupérer la clé du cristal. On est bon. Je suis allée voir le maire dans mes souvenirs. Elles sont fermées. Juste au cas où. Je vais juste passer. Là, on a eu le dialogue avec le maire. Au moins, ça va me remettre des idées claires. Vous seriez bien aimable de me répondre. Je suis désolée, hein, là, le début de live est un peu archaïque, mais je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Eh bien, qu'y a-t-il ? Il se trouve que j'accompagne la tribu Yukol dans son long voyage. J'ai demandé au capitaine Obo de nous emmener à bord du cristal de l'autre côté du lac, à Lodosk. Le capitaine, le cristal, les Yukol, comment dirait-il ? Une mauvaise grâce de vous reprocher de pouvoir me débarrasser de tout ce qui encombre notre bonne vie. Vous voyez cependant contraint de refuser, chère madame. Les écluses restent closes jusqu'à nouvel ordre. Ce sont des décisions qu'il est temps. Vous seriez bien aimable de me répondre. Je regarde la vidéo, hein, vite fait. Eh bien. Donc je l'avais un peu contraint à me donner l'autorisation, en somme, d'ouvrir les écluses. Mon temps est précieux, comme vous n'auriez pas remarqué. Vous seriez bien aimable de me répondre. Et quelle serait cette solution ? Ouvrez les écluses et je m'en irai avec les Yukol. Vous n'aurez plus qu'à m'accuser auprès des autorités de Dieu sait quel sabotage. Ils vous croiront volontiers. J'ai une très mauvaise réputation, vous savez. Et puis, de votre côté, vous gagnerez sur tous les deux. Eh bien, je l'avoue, chère madame, vos arguments m'ont convaincu. Vous devez donc à ouvrir les écluses du port en vue d'en faire sortir le cristal. Il faut toutefois que vous sachiez qu'un problème technique contraint à une ouverture manuelle des portes. J'imagine que cet inconvénient n'est pas de nature à rebuter une jeune femme. Alors là, il m'avait dit d'ouvrir manuellement les écluses. Oui, votre mainteneur étant absent, je crains qu'il faille plonger vous-même dans les autres routes du port pour ouvrir les écluses. Ceci aurait toutefois vous aidé à utiliser le mécanisme sous-marin. Je vais plonger. Ça, chère madame, j'imagine que c'est... Ah, faut que je plonge, en fait.
Ah ouais, donc là par contre. Ah, d'accord. Donc il faut que. Salut! J'ai pas vu ton message, monsieur inutile. J'étais en train de regarder parce que la dernière fois que j'ai fait le live, c'était la semaine dernière et j'avais un petit trou de mémoire là. Ah, mais c'est sous l'eau. Donc en fait, il faut que j'ai quelque chose pour plonger. Et je suis en train d'essayer de me souvenir. Est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu quelque chose qui pourrait me permettre de faire ça? On va peut-être demander à l'alcoolique. On va revenir sur le bateau. Ah, je suis en train de me demander est-ce que j'ai vu un scaphandre. Là, de but en blanc, comme ça, je pourrais vous dire non. Pas du tout. Et puis l'horloger est plus là. Il est parti dans les îles de Fou. Il n'y a pas un truc dans son cargo, l'autre? Et on va aller voir le forgeron, on va lui dire, hey, forge-moi un scaphandre. Ok. Nous soussaille. Vivement des patchs pour que le jeu soit carrément plus stable. Papa. Bah, mis à part ça, je ne vois pas. Il n'y avait rien dans le bar, non, non, dans le pub, il n'y avait rien. Je suis en train de refaire les différents endroits. Dans la boutique de l'horloger, je pense qu'on en a fait le tour. Et je sais pas pourquoi, dans mon cerveau, j'ai comme une image de scaphandre. Alors, j'en ai peut-être pas du tout croisé, hein. C'était moi qui hallucine. C'est bien en fait. Vous savez quoi, pour éviter les lags, enfin les lags, ça c'est lié à une connexion internet, les baisses des framerates du FPS, il faudrait qu'on reste dans le bateau. Ça prend largement moins de performance de la PS4. Il a l'air d'avoir besoin de réparation. Dommage. Et regardez, par contre, il y a un fusil là, juste là. Ça m'étonne qu'il n'ait pas. Ah non, là je peux pas. Hop. Attends, j'avais pas vu ça. À voir le monde ici, personne ne m'en voudra si je jette un œil. Bah vas-y. C'est quoi? Journal de bord. Ah bah tiens, l'autre fois quand j'avais fait le tour du bateau, je l'avais pas vu. Eh ben on va le lire. On va le lire. Alors comment c'était déjà pour passer les pages, parce que c'est une véritable horreur. Je suis un homme, mais c'est parce que je me trompe que je suis un homme. Merci! Dostoïevski. Voilà. Oula, c'est écrit tout petit. Alors, le 2 mai 89, ces lignes ont été rédigées par un lâche. Lâche, le titre est moins prestigieux que capitaine, ne reste pas moins préférable à la perspective d'affronter à nouveau le lac et les yeux rouges qui le hantent, ses yeux. Mais je suppose que je devrais commencer par le début. Maintenant que j'ai jeté par-dessus bord mon précédent journal de bord pour coucher ce récit sur des pages vierges, tout est prêt. Place au témoignage et ma confession, car à en juger par la vitesse à laquelle la bouteille de vodka descend, je n'ai plus beaucoup de temps avant de sombrer dans un sommeil dénué de cauchemars, enfin. Alors, hop, je n'ai jamais vraiment su pourquoi ils m'ont proposé de devenir commandant du Cristal. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais un jeune loup de mer, fringant et fier. Marine marchande militaire, pas un seul port d'Aralbad à Barano. Tiens, Aralbad, on y était d'ailleurs, dans le 1, si je me trompe, où des chopes ne se soient levées à la santé du capitaine Fiodor Vianovitch Obo, sans parler des quelques cocards et autres dents fêlées distribuées au passage. Toujours est-il que lorsque la municipalité de Valsambor m'a proposé la barre du cristal, j'ai accepté et s'en sont suivies des années de bonheur et deux décennies en réalité. Le boulot facile et agréable consistait à assurer les navettes quotidiennes entre Valsambor et les différentes villes de l'autre côté du lac. Naodosk, Tank,
Gliscaïa et Baranour. Foutu Baranour. Oui, parce que pour ceux qui viennent juste d'arriver, il y a eu une explosion de la centrale nucléaire en fait à Baranour. Il s'est passé des choses là-bas. Baranour est la ville juste en face de Falsambor, de l'autre côté du lac. Depuis que ce mécano fou de l'Ouest y a installé son parc d'attractions l'année dernière, j'ai été affectée au transport exclusif des visiteurs. Et c'était avant l'accident à la centrale locale, avant que Baranour ne devienne l'enfer radioactif qu'elle restera pour encore des siècles et des siècles. De nombreuses personnes ont survécu à la fusion du réacteur, irradiée bien au-delà du raisonnable, certes, mais belle et bien vivante. Alors, au vu des états de service du cristal et accessoirement de ceux de son capitaine, les autorités ont tout de suite pensé à nous pour aller secourir ces malheureux. La mission était simple, débarquer l'équipe de sauvetage sur la plage du parc d'attractions de Baranour, attendre qu'elle revienne avec les rescapés et rapatrier tout ce petit monde à la clinique de Valsambor. Et ce, jusqu'à ce que tous les survivants soient en lieu sûr. Malgré les risques et la vision terrible de tous ces cadavres, les premières traversées se sont bien déroulées, puis les choses ont dérapé, car c'est là qu'elle est arrivée, la peur. Tous ceux qui prononcent désormais mon nom comme on crache une glaire vous le diront à mesure des traversées au bout à lui frousse des radiations. Ce qu'il prétend avoir vu, ça venait du fond de sa bouteille. Cet ivrogne a plus peur de l'atome que des contrebandiers de la mer d'Aral. Salut! Alors non, pas bonsoir! Quand même! Il est tôt! À part si Mick va aller se coucher, hein. Hein? La dernière fois qu'on a joué à Project Zomboid, plus de son, plus d'image. C'est lui le vieux. Pourtant, sur son honneur de marin, je jure que tout cela est faux. Certes, la simple pensée de ces radiations pernicieuses, invisibles à l'œil nu et capables d'engendrer brûlures et autres mutations innommables, suffit à me faire frissonner. Certes, j'ai eu la frousse, pire que cela, en réalité, une terreur sans nom, glaciale et ténébreuse comme une nuit sans lune. Bonne nuit à toi surtout. Mais c'est parce que je l'ai vu, lui, le monstre du lac, avec ses bras indénombrables et extensibles comme à l'infini, ses yeux malsains où brille une intelligence aussi sournoise que malveillante, ses yeux. Alors oui, je sais que le mal que j'ai causé en abandonnant les sauveteurs et les derniers survivants à Baranour est irréparable, qui m'a maudit. D'ailleurs, ce serait mentir que d'affirmer qu'il n'est jamais venu à l'esprit de retourner défier le monstre à la loyale, droit dans les yeux, et d'essayer de réparer mes crimes. Mais à quoi cela servirait-il? Cela ne ramènera pas ceux dont j'ai provoqué la perte. Personne ne me pardonnera. Or, les faits ont prouvé que je suis bien trop lâche pour accepter d'être conduit en enfer par l'un de ses plus éminents représentants, ce que cela ne profite à personne. Lâche et égoïste parfaitement, messieurs, dames. Je me gourre tout le temps de touches pour un... Et il en a écrit des pages, non, je pensais à la dernière page. Quoi qu'il en soit, tout ce qui compte désormais pour moi est de préserver le lac et ses habitants de ma présence à bord du cristal. Et non, plus de faux semblants, la vérité, c'est qu'il faut que je me protège, moi, du lac et de ce suppôt de malin qui l'abrite à tout prix. Alors que j'arrive au terme de ces lignes, je ne peux m'empêcher de chercher du regard la clé de contact du cristal. C'est celle babiole qui n'a jamais quitté ma vareuse en 20 ans et que j'ai tant de fois tournée pour aller voguer sur le lac. Je constate au passage que la bouteille de vodka est vide, pourtant j'ai l'esprit clair, bien plus clair qu'il ne l'a été depuis ma fuite de Baranour, depuis ma damnation. Car à cet instant précis, je sais comment tuer dans l'œuf toute tentation suicidaire de retourner affronter l'horreur qui m'attend au fond du lac. Où est donc passée cette maudite vareuse? Alors oui, pour préciser, en fait, le fameux capitaine a tout simplement jeté la clé. Eh oui, dans le lac. Au moins, il était sûr de pas retourner sur le bateau. Voilà en somme. Pardon, c'était mon verre. Ok, bon, ben j'ai récupéré un truc. Au moins, ça nous a appris un petit peu de choses sur le capitaine en soi. Par contre, il faudrait que je règle mon problème de... Je sais pas, je vais lui poser la question si jamais il a peut-être une idée. Alors ? Il veut me tuer avec son flingue, juste derrière. Quelqu'un doit plonger. Vous devez plonger. Pourquoi vous restez là ? Je veux dire, quelqu'un a accepté que l'on ouvre les écluses.
Mais l'un d'entre nous va devoir plonger dans le bassin pour actionner le mécanisme... J'ai pas dit moi, hein. J'ai dit l'un d'entre nous. On a tout le matériel nécessaire dans le local au bout de la digue. Mais il va falloir vous dévouer, mademoiselle. Voyez-vous, je ne suis plus en état pour ce genre de gymnastique. Je n'ai jamais plongé. Mais si vous m'assurez que c'est sans risque, je vais bien essayer. Ceci reste entre nous, Kate. Mais faut que vous sachiez pour les écluses. Elles servent aussi à empêcher le monstre du lac d'entrer dans le port. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais à cette heure-là, vous ne craignez rien. Cet animal de l'enfer dort toute la journée. Et comment on fait? Parce que... On va lui parler du monstre. L'existence de ce monstre dans le lac? Vous savez, il y a 20 ans, ce n'est pas de Barnour que j'ai eu peur. De tous ces morts, des radiations. Les gens ont raconté ça, mais la vérité, c'est que c'est ce foutu monstre qui m'a fait des guerres pires comme un lapin. Il rôdait autour de Barnour, attiré par l'odeur des charniers, sans doute. J'ai vu ses yeux rouges me fixer, mademoiselle Walker. C'est une chose qui ne s'oublie pas. D'un côté, c'est bien, hein, s'il me donne l'information de comment trouver une combinaison, ça me va. Un scaphandre. Ouais, voilà. Retrouvez-moi dans le local au bout de la digue. Ah bah voilà, c'est lui qui a la clé. À votre taille. Enfin, à peu près, j'imagine. Bah oui, bon, de toute manière, il faut, hein, on n'a pas le choix. Comment parviendrai-je à ouvrir les portes de l'écluse? Elles sont bloquées par des verrous en acier. Suffira juste de les retirer en utilisant leur mécanisme. Bah voyons. Un jeu d'enfant, j'imagine. Rejoignez-moi au local. Ça va être compliqué. Ok, bah si j'avais su, en fait, je serais venu voir, tout simplement. Donc j'avais pas la clé en soi. Je pensais que le maire m'avait filé la clé, mais c'est pas du tout le cas. Par contre, ils avaient laissé la clé au capitaine bourré. Bravo. Donc on sort du bateau, on va vers la digue et on va pouvoir récupérer un scaphandre pour nous rendre sous l'eau et débloquer les écluses. Alors, j'avais déjà parlé à tous les PNJ, ils ne nous racontaient pas des choses intéressantes en soi. De toute manière, le dialogue ne va pas changer. Bon, c'est bien, on avance. C'est plutôt sympa. Bah tiens, voilà. Je vous ai ouvert le local. Merci. C'est sympa. Bon, bah, y a plus qu'à rentrer dedans et puis à trouver un scaphandre en soi. Par contre, y a une histoire de mécanisme qu'il va falloir débloquer. C'est quoi ça? Il y a l'air d'avoir une tenue. Il y a quoi ici? Il me faut quelque chose à remplir. Ah bah oui, la bouteille d'oxygène, attendez. Il me faut quelque chose à remplir. Oui, bah oui, non, oui, je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord, la bouteille d'oxygène, on la met là. Alors là. Bon, ok, de toute manière, là, ça sert à rien de bidouiller les boutons. On va pas...
On va pas faire ça dans le vent. Bon, déjà, je peux prendre le casque. Il y a la combi qui est juste là. C'est parfait. Peut-être dans les toilettes, il y a quelque chose. Il faut que je rassemble et prépare du matériel avant de me changer. Ah, ok, c'est là pour changer. Par contre, j'ai pas la... Ah bah, elle est là. Voilà, j'ai rien dit. J'ai trouvé. Bah voilà, il n'y a plus qu'à la placer ici. Par contre, je sais pas du tout comment ça marche. De toute manière, faut placer la bouteille là. À mon avis, ça c'est pour bloquer la. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Attends, je vais essayer là aussi. Rien. J'ai dû oublier quelque chose. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que je bidouille avec le truc qui se trouve à gauche. Par contre, il y a un compteur, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ouais. J'ai mis n'importe quoi comme valeur. Je sais même pas si c'est bon, ça va péter, tu vas voir. Ça ne doit pas être le bon réglage. Ok, et comment je sais quel réglage je dois... Ça va être encore au pif, ce truc. Je dirais 120 bars, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ça, c'est pour éteindre? Ah ouais, ça, c'est pour éteindre. Je sais pas le nombre de barres que je suis censée mettre dedans. ⁇ 180, c'est marqué dessus. C'est marqué en tout petit, mais... C'était marqué. Ok. Bah, normalement, ça devrait être bon. C'est marqué en fait sur la bouteille là, du milieu. Ça m'a l'air d'être bon. Ouais, nickel. Je vais vous montrer où j'ai vu l'info, comme ça pour ceux qui ne savent pas trop. Je vais vous montrer tout ça. Parce que de toute manière, on peut regarder les éléments, on peut observer. C'était marqué juste ici. Pour plonger maintenant. Ah bah, on voit même pas. On peut pas faire un zoom. En fait, là, c'était marqué à ce niveau-là quand vous posiez les bouteilles d'oxygène, c'était marqué dessus. En fait, c'est 180 bars. Alors, fallait le voir. Alors, on va regarder. Je devrais rester au sec avec ça. Enfin, j'espère. Et en fait, il y a un trou à l'arrière, juste au niveau des fesses. Allez, tu n'es pas claustrophobe, tu n'es pas claustrophobe, tu n'es pas claustrophobe. Tu m'étonnes, moi aussi, j'aimerais pas mettre ma tête dedans. Bon, bah, il n'y a plus qu'à changer, hein. Allez, go. Bon, ça, voilà, c'était plutôt clair, plutôt simple, plutôt facile. Il y avait les informations à portée de main.